calme-toi, calme-toi. Elle est en train de danser. Oh ouais, oh ouais. Elle n'a jamais sorti, elle. Mon nom est Rachid Badouri, québécois d'origine marocaine. Est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Levez la main, ceux qui ne me connaissent pas. Oui, sortez. Et non, reste là, mais sors. Mais je suis québécois d'origine marocaine. Tu peux rire comme la mademoiselle parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-bas. Mon père, c'est le seul qui n'a pas, pas migré en France, en Belgique, en Suisse. Il s'est endormi dans le bateau jusqu'au Québec. C'est quoi ça, Canada? Il fait froid ici. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vous dis, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup d'immigrants au Québec. 400 000 en tout seulement dans cette grosse province du Québec. 400 000! Il y a un ghetto arabe au Québec. C'est moi. Et je l'ai su que j'étais le seul brun. Vous dites beurre en Europe, nous on dit brun. À l'école, au primaire, c'est là que je l'ai su, j'étais le seul. Parce que quand les Québécois m'ont vu dans la cour d'école, ils étaient surpris. Ils m'ont encerclé comme ça. Hey Robert, va chercher le filet à papillon. On va. Où est ta planète? Moi, je leur faisais peur, je répondais. J'avais pas d'amis! J'avais deux amis, c'est pathétique. Deux amis au primaire, c'est la merde. Non! Deux! Le premier, il avait pas le choix de traîner avec moi. C'était le seul black de l'école. Le deuxième aussi, il avait pas le choix. C'était un Québécois, mais il était roux. Alors, t'imagines le trio dégueulasse, hein? Un noir, un brun, un roux. On marchait dans l'école, un à côté de l'autre. On avait l'air de l'évolution de la rouille. Tu l'as compris, celle-là? Ah, vas-y, tape, tape, c'est gratuit, tape. Wallah, c'est gratuit, je te jure. Est-ce que c'est l'accent, c'est bon? On m'a dit, fais attention, hein, en Europe, en Suisse, on comprend pas Rachid quand tu parles français. J'en ai marre d'entendre ça. C'est vrai, j'ai un accent, oui. Mais moi, je comprends pas quand vous parlez en anglais. C'est quoi cet accent de merde? Dis-moi, c'est qui vous a appris l'anglais? C'est qui? Hein? Hein? Comme moi, j'ai vu hier un film avec l'acteur Will Smith. Toi, t'avais un film avec Will Smith, hmm? Mais le pire que j'ai entendu, moi, je suis un fan de Michael Jackson. La première fois, une dame m'a vu et m'a dit « Ah, mais tu sais quoi, Rachid? C'est dommage pour Michael et sa dernière tournée qu'il n'a pas pu faire. » Elle croit, je pense qu'elle parlait de « This is it ». Elle m'a dit « C'est dommage pour sa tournée, Zizizit. » J'ai dit « Quoi ?» Elle m'a dit « Zizizit. » Zizit, zitoun, oui, mais zizizit, j'ai jamais entendu. Mais je me fous pas de votre gueule, j'adore la Suisse, j'adore, j'avais hâte d'arriver ici. Parce que c'est très multiculturel ici, il y a beaucoup de... C'est très riche en culture, ouais. C'est riche aussi, mais c'est... Ah, bah, tu vois, même votre rire, il est riche. C'est riche ici, c'est pas possible. Mais non, je fais des blagues, c'est très riche en culture. Il y a des Arabes en Suisse en prison, mais il y a vraiment de... C'est pas... Non, il y a... C'est très divers. En tout cas, c'est pas comme au Québec, ça c'est sûr et certain. Et je vous le dis, j'adore être ici. Et je me fous pas de votre gueule avec l'anglais, hein. Il y en a qui ont pris ça un peu mal. Non, non, au Québec, il y a pire que vous. Il y a mon père en anglais. C'est un crime le laisser parler en anglais. Papa? Comment on dit 10 en anglais? C'est facile, on dit 10. Waouh! Comment on dit 20? What 10? Ferme ta gueule, hein. Ok, comment on dit à quelqu'un en anglais, viens ici? C'est facile, je le regarde, je lui dis, hey! Come here! Come here! D'accord, comment tu lui dis, va là-bas? Moi, je vis là-bas. Et je lui dis, hey! Come here! Voilà! Vas-y, tape, Aynal! Tape! À chaque fois, je pense à mon père et je pense à l'anglais. Je pense à un voyage qu'on a fait qui va rester marqué dans ma mémoire. On est parti à Cape Cod en vacances. On arrive à la douane américaine. Je vois le douanier américain qui s'approche de la voiture. Comment te dire, je sais que c'est mon père qui va peut-être lui parler en anglais. Je sens la merde. Hein? Je dis, papa, laisse-moi parler avec lui à ta place. Hein? Laisse-moi, hein? Juste, on va éviter un demi-tour jusqu'à la maison. Pourquoi? C'est moi qui vais lui parler. Ferme-toi avant que je t'arrache l'orteil. Papa! Je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 qui traversent la frontière américaine, c'est ce qu'ils ont écrit à côté du mot louche dans le dictionnaire. S'il vous plaît, laisse-moi. Ferme-la! Il arrive. Bonjour, how are you? How are you? Where are you going, sir? Cape Cod, mon ami. And where are you from? Cape Cod, mon ami. You making fun of me, sir? Il lui dit à mon père, est-ce que tu te fous de ma gueule? Et mon père, le berbère, il veut faire son dur et lui répondre peut-être que oui, peut-être que non. Ah,
il lui a dit, mon truc, tu sais comment il lui a dit, peut-être que oui, peut-être que non, en anglais. Hey, what, baby, yes, baby, no. Baby, yes. Pas baby, maybe, baby. Est-ce qu'il va pleuvoir, Mohamed? Baby, qu'est-ce qui me casse les couilles, je sais pas. Et là, on a cherché la plage, comme des abrutis. On a cherché la plage, ouais, pendant une heure. La seule famille qui a pas trouvé la plage dans une ville entourée d'eau. Une île, comme des cons. Il y avait du sable dans nos pieds, on trouvait pas la plage. Mon père était énervé. Il arrêtait sa voiture en plein milieu de la rue. Vous restez là, vous la fermez. Il y avait une madame policière qui faisait la circulation. Madame, come here. Excuse me, look, where is the... Comment on dit la plage? Where is the beach? look here, look, big beach. Connais rien, regarde comment elle me regarde. Hey, look here, I want to sleep on the beach. Elle dit, lui, je paye pas pour la plage. Bitch free, I don't pay. Le lendemain, on l'a sorti de prison et... Voilà. On a fait un détour pour venir jusqu'ici. Ça a été long. On n'a pas eu un vol direct. La malchance que j'ai. On a arrêté à Paris. C'est chaud. C'est chaud à Paris. C'est chaud. Je suis arrivé à la douane. Il y avait le douanier, si tu peux appeler ça un douanier. Il avait un uniforme assez bizarre, pantalon très serré avec un truc jaune sur le côté. Il avait une casquette avec la palette, comme ça ici, très petit. C'était bizarre comme costume, un peu serré et tout. Nous, nos costumes en Amérique, les policiers, ils ont l'air de Robocop. Là-bas, c'est casse-noisette. Tu comprends? C'est comme... Monsieur, votre passeport et votre carte de douane. Fais lui. J'étais le prochain en ligne. Il me dit Toi. Oui, toi, monsieur propre. Viens ici, viens. C'est pas drôle, ris pas, c'est pas drôle. Pourquoi tu ris comme un. Et ton passeport et ta carte douanière. Je donne mon passeport et ma carte douanière. Il dit alors, Richard Badouri. Ça commence bien, hein. Moi, c'est Rachid Badouri. Mais... T'es arabe et t'es à Paris, cherche pas la merde, appelle-toi Richard. Non mais ça... Alors, profession humoriste, c'est quoi ça? Humoriste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Je fais rire des gens. Ah, t'es un clown! Non, je raconte des blagues. Allez, raconte des blagues, le petit! Ah, vas-y, raconte une blague pour voir! Monsieur, c'est mon métier. Raconte une blague ou tu passes pas à couscous, allez, une blague! Monsieur, c'est mon métier, vous êtes douanier, est-ce que je vous dis, ah, faites-moi une fouille? Mais t'as qu'à demander, Robert! On va chercher l'huile d'olive pour Richard, on va le... J'adore la Suisse, je suis bien ici, très très bien, c'est cool. Je faisais des blagues sur l'argent, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'arabes et tout, j'en ai croisé quelques-uns, c'est vrai, il y en a plein. Il y a plus de Rachid ici qu'il y en a au Québec, et moi je rêvais de ça quand j'étais jeune. Oh, il n'y avait pas de Rachid, ouais. J'avais hâte d'avoir un prénom populaire, les gens se moquaient de moi, c'est quoi ça, Rachid, c'est quoi ça? J'avais hâte, je rêvais, j'hallucinais un peu trop. J'avais hâte qu'en Amérique, un Rachid s'élève et qu'il popularise mon prénom, hein? Mais j'hallucinais un peu trop. J'allumais la télé, j'étais sûr qu'aux nouvelles, on allait nous apprendre que c'est finalement pas Neil Armstrong qui a marché sur la Lune, mais l'astronaute Rachid Armstrong qui a marché sur... Tu te rappelles de l'astronaute Neil Armstrong? It is one small step for mankind. Imagine-toi, l'astronaute Rachid Armstrong. C'est une babouche pour l'homme. Hein? Les Américains ont envoyé un arabe sur la Lune. Wow! Il n'aurait juste pas ramené. Vas-y, monte, madame. Mets le voile, il fait froid. Monte. T'imagines, au moment du retour, Rachid Armstrong seul sur la Lune. Houston? Houston. J'ai une saloperie de problème, hein. J'y vois pas la navette, hein. Au même moment, il y a un astronaute roumain, oubliez-le en 44. S'il vous plaît. Je retourne là. J'hallucinais un peu trop. Je rêvais à des Rachid connus. Des Rachid Jordan. Des Rachid Jackson. Moi, j'étais un malade fou. J'étais le plus grand fan sur la Terre du célèbre Michael Jackson. Comme je vous disais en début de sketch, c'est ça. Moi, Michael Jackson, c'était ma vie. J'étais Michael, je vivais, je bougeais comme Michael, je parlais comme lui. C'était fou. Tellement ma mère m'a cousu des paillettes sur un gant de cuisine. C'est pas très pratique parce que Michael, il pointait souvent avec son gant. Tu te rappelles?
You were not alone. Moi avec mon gant. You. Not alone. J'étais malade. Je parlais, je bougeais comme lui. Si je mangeais ma soupe et que je me brûlais les lèvres, je me brûlais en Michael Jackson. C'est chaud. Maman ta soupe. Maman ta soupe. Maman ta. I'm saying mom ça maman tout ça. I'm saying mom ça maman tout ça. Maman ta soupe. Partout où j'allais, je te parlais de Michael Jackson. Je t'offrais des spectacles gratuits de Michael Jackson. T'avais pas le choix de me regarder parce que je bloquais la circulation, tu sais, au carrefour des fois. Je bloquais les voitures. Non, tu passes pas avec ta voiture. Ma mère qui m'encourage sur le trottoir. Michael, venez voir Michael Jackson avec la police. On a un problème, il y a une roumaine avec son fils qu'il faut... Faites circuler les gitans, allez-y. Partout où j'allais, je te parlais de lui. C'est une maladie. Partout où j'allais, je t'offrais un show de Michael Jackson. Je me rappelle un jour, je suis arrivé très tôt à l'école. Je suis arrivé très, très tôt à l'école. Je suis arrivé à l'heure. Il y avait... C'est très tôt pour moi. Il y a des filles, elles étaient juste là à la porte, comme ça. Elles me regardaient, elles me fixaient. Et à cause qu'elles me fixaient. Et à cause qu'elles étaient belles, j'avais pas le choix, mon truc. Je devrais leur offrir un show de Michael Jackson. Oh, shit de merde. C'est pas drôle. Les filles! I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Jambon, jambon. Je mange pas de jambon. Hein? Quoi? Mon lacet est défait? Mon lacet. Les filles. Vous voulez du chewing-gum? J'en ai plus. J'en ai plus, je te dis. J'en ai plus. Vous avez vu Miley Cyrus, elle se masturbe pendant toute la durée de son clip. Bon, moi aussi, mais pour moi ça cache des choses. C'est comme Rihanna. Rihanna a avoué qu'elle a été martyrisée pendant toute sa scolarité. Vous vous rendez compte? 2 ans de souffrance.